Event. Et si vous êtes là ici ce soir, c'est en quelque sorte pour faire mentir ceux qui pensent que dans notre société, l'humour n'a pas sa place. À partir de la semaine prochaine, nous serons dans vos bureaux pour vous présenter encore plus ce support que nous voulons innovant, que nous voulons différent. Je dis merci beaucoup et joyeux anniversaire à DDG. Je pense que c'est un journal qui est arrivé à point nommé dans notre pays où nous abordons les sujets toujours avec beaucoup de sérieux. Et c'est heureux de voir qu'il y a un journal qui parle enfin des choses sérieuses, mais en le faisant en rigolant. Ce qui nous permet de toucher des sujets piquants et de faire passer quand même la pilule sans que les uns et les autres se sentent forcément indexés ou vexés. Les défis sont désormais plus grands. Les attentes sont plus grandes, il va falloir les combler. On a constaté qu'il y a derrière des personnes qui croient en nous. On a l'obligation de satisfaire ces personnes chaque semaine, de réussir à leur arracher un sourire en parlant de la frontière qui est fermée avec le Nigeria, en parlant du prix du carburant qui est aussi tantôt à la baisse, tantôt par le haut, en parlant de choses qui font parfois des soucis, mais avec le but d'arracher du sourire. Non, notre défi aujourd'hui, c'est de montrer à la société voilà, qu'on est là pour l'accompagner. Tout mon plaisir a été de voir un peu le live des caricaturistes, leur talent, leur génie créateur. Et lorsque Hector Sonon dessine le ministre, enfin le président de l'Abio Tchane en moins de 5 minutes, franchement, nous avons du génie et c'est formidable. Events.